Madame la ministre. L'université à Saint-Sec de Jiguinchor est toujours confinée dans une ébullition qui risque véritablement de compromettre la rentrée universitaire prévue le 24 mai prochain. L'intersyndical qui regroupe tous les travailleurs de l'institution est une nouvelle fois monté au créneau ce mercredi pour observer un sitting afin d'exiger du ministre de l'enseignement supérieur le versement dans les meilleurs délais du milliard qu'il doit à l'institution universitaire ainsi que l'achèvement des sentiers pédagogiques en cours de construction depuis plusieurs années. L'intersyndical menace de perturber la rentrée universitaire si le ministre ne satisfait pas à leurs doléances. Omar Ouba est le coordonnateur du SAES Jiguinchor. Je pense que nous avons suffisamment parlé, nous avons suffisamment interpellé le gouvernement. Maintenant, il n'y a plus maintenant place au discours. Il faut passer à l'acte. Et toute la communauté universitaire de cette institution est déterminée à voir véritablement le gouvernement s'exécuter. La question est d'autant plus pertinente que c'est un silence assourdissant. Puisque le week-end dernier, quand même, tous les médias presque ont relayé le ras-le-bol exprimé ici, dans cette institution. Mais jusqu'à présent, on ne l'a pas entendu. Il faut bien... D'ailleurs, je vous le dis très sincèrement, on n'a plus besoin de l'entendre. On veut le voir agir. Les étudiants et le personnel administratif sont aussi d'avis que l'université à Saint-Sec de Jiguinchor est à l'agonie. Le jeune Diarra Touré s'est exprimé au nom des étudiants. On ne peut pas demander s'il y a 960 millions. On lui demande, mais il n'a qu'en deux. Mais si vous voyez que ça tourne jusqu'à présent, il ne nous dit rien parce que tout simplement, ça a été mangé. Ouais, mais il prend de répliquer, mais il est complice. Le ministre ne dit pas la vérité. C'est lui qui a décidé d'être ministre, on ne l'a pas forcé. Depuis qu'on l'a nommé, il a dit oui, il était ministre, donc il doit accepter le travail. S'il est là pour prendre le bien de ce pays, nous, on ne va pas le laisser faire. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur est invité à réagir, à temps pour satisfaire des revendications aussi nobles et vitales pour l'institution, sinon l'intersyndicale le tiendra comme seul responsable des perturbations qui se profilent à l'horizon. Jiguinchor, Amadi Khalilou Diémé, pour la radio-télévision Wolfa Djéré. Monsieur le ministre, Donald.